Bah, là, le côté attachant, parce que justement, ça a marqué une large époque. Une voiture qui a duré quand même 30 années. Donc ça veut dire qu'elle a traversé des générations. Chacun de maintenant a encore en mémoire quelque part une 4L. Bonjour, Jean Le Cam, pilote de 4L. C'est toujours une voiture qui a marqué mon histoire, quelque part. Donc, moi, je suis navigateur-constructeur, et donc le côté technique m'a toujours passionné. Donc forcément, la 4L que tu peux bricoler toi-même, que tu peux faire évoluer, bah, ça s'apparente un petit peu à mon bateau aussi. C'est peut-être cette simplicité et cette accessibilité qui rapproche en fait une voiture comme la 4L de mon bateau. On en avait une qui était en circulation, que j'avais achetée à un copain qui habitait dans le pays Bigoudin. Et ça a commencé comme ça. Après, il manquait des pièces sur cette voiture-là, donc j'en ai commencé à en acheter une, et puis deux, et trois, et quatre. Je me faisais pas l'idée d'en prendre une pour pièce, donc je voulais pas l'abandonner lâchement. Et donc voilà, j'en ai acheté encore une autre, et le schéma se répétait, et puis je me suis retrouvé avec cette 8-4M. La 4L, c'était à l'origine une voiture tout-terrain. De par sa légèreté, déjà, elle pouvait aller partout. Mon bateau, Hubert, c'est une espèce de 4x4 quoi, qui passe partout, customisé, puisqu'on n'arrête pas de l'améliorer tout le temps. Ce qui me plaît dans la 4L, c'est que c'est une voiture simple. C'est une voiture qui, mécaniquement, est encore accessible aujourd'hui à mes compétences, on va dire. Et puis la 4L, ça a une histoire. T'avais les gendarmes qui étaient en 4L, t'avais la poste qui était en 4L. Et voilà, c'est une voiture qui a quand même marqué 30 ans de son époque. C'est quand même un monument historique.